presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On va commencer, Nikos, par le rappel du titre principal de l'actualité. Avec plaisir. Allez. Avec plaisir, mes chers amis. C'est le même, hein. 11 septembre. Terrible. Date anniversaire des attentats du 13 novembre. À ce titre, d'ailleurs, Jésus est venu plastiquer notre matinale à l'instant. On se rappelle tous où nous étions le 11 septembre, sauf si on était dans un des avions, forcément. Oh non, voilà. Nico, salon. Cela dit, le titre principal de cette édition, c'est le retour du summer, de l'été. L'été revient, il a fait 28 degrés today sur la capitale. 33 degrés, nous disait Laurent Cabrol sur Albi. Et j'ai envie de dire à Albi, oui, I'll believe I can fly. Oh non. Grande forme. Oui, pardon, j'étais dans The Voice 2 secondes, une fois plus. Allez. Je m'évade de temps en temps. Un retour de l'été qui nous donne à tous, dans ce studio, à Jean-Michel Apathy, à Wendy, à David, à Laurent, à Julie, à Céline, à moi-même, qui nous donne à tous dans ce studio une envie de bosser de 0,5 sur l'échelle de Macron qui en compte 4000. Oui, Emmanuel Macron, c'est un gros bosseur, un petit peu comme d'ailleurs David Abiker. Oui, et d'ailleurs, dans cette revue de presse, l'actualité, c'est le yo-yo émotionnel. Dans le courrier Picard, on apprend qu'il y a une invasion de sangliers, des centaines de milliers de sangliers, 24 000 cochons sauvages qui détruisent tout. Oui, qui détruisent tout en Picardie. On ne parle pas comme ça de mes électeurs. Mes amis sangliers en Picardie, oui, en Picardie peut-être, mais ils sont surtout en route, et Jean-Michel Apathy le sait, vers la capitale. Macron, mes sangliers sont en marche. Tu as du souci à te faire. À vous, Julie. Allez, hier, sur notre antenne, on vous a fait vivre l'évacuation d'une ZAD du côté de Strasbourg. On va accueillir tout de suite notre président de la République. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à toi. Ah, on n'est pas bien là, détendu du bulbe, hein, dans une république sans chialeuse à la Nicolas Hulot, sans ministère des Sports ou de l'écologie. Carrément, oui. Alors, à propos d'écologie, justement, on a entendu ces zadistes alsaciens qui redoutaient la disparition d'une espèce animale, le grand hamster d'Alsace. Eh oui. Quoi? Vous qui les connaissez bien, Wendy, oui. Elle est sérieuse là, Julie Leclerc? Le hamster aussi. Hein. Non mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du grand hamster d'Alsace? Bah, franchement, allons. Monsieur Spicker, est-ce que vous avez des potes, des amis avec deux grandes dents et de la fourrure qui sont grand hamster d'Alsace? Non, eh bien moi non plus. Hein. Qu'est-ce que ça a changé à notre quotidien, un monde sans grand hamster d'Alsace? Oh mais enfin, c'est grave la disparition d'une espèce. Bon écoutez, je vais être plus clair. Tous les crasseux qui se battent contre la disparition du triton doré à crête jaune ou du hamster d'Alsace à poil dur. Je m'en bats les gonades avec une patte d'alligator albinos. Et j'en fais un sac à main pour Brigitte de l'alligator albinos. Oui, qui a... Oui, monsieur Apathy, qui ira très bien avec son petit tailleur Vuitton. Suis-je assez clair? Ah oui, vous êtes très très clair. Hein, on va vous remercier. Bonne journée, monsieur le président. À Paris, un Afghan d'une trentaine d'années a poignardé des passants dimanche soir. Il a été arrêté par des joueurs de pétanque qui lui ont couru après en lui lançant des boules. On est en ligne avec Gérard Collomb. Oui, bonjour madame Julie. Bonjour. Je veux remercier sur votre antenne de façon dynamique et enthousiaste les courageux boulistes qui ont assommé cet individu en lui jetant dessus violemment leur boule de pétanque, sans oublier le cochonnet qui a dû faire la différence. Au secours. J'ai trouvé cette méthode efficace. Et du coup, vous pouvez programmer le journal de 9h vers 9h10, 9h12. Et du coup, dès aujourd'hui, je le dis, les policiers nationaux, mais aussi municipaux, seront équipés d'un jeu de boule de pétanque et bien sûr du cochonnet pour les mineurs. Monsieur le ministre, attendez là, regardez, attention.
Pardonnez-moi, pardonnez-moi, Madame Julie, je suis interrompu. Il y a un homme, qui agresse sous nos yeux une petite vieille pour lui prendre son sac. Alors... Brigadier, pardonnez-moi, Madame Julie, je reprends votre direct. Brigadier, oui. Vous sentez que là, je suis à fond. Hein. Oui, tout le monde et votre équipe, tout le monde prend ses boules de pécan en tant que. Oui, allez-y, brigadier, tirez. Et là, je tire ou je pointe? Un agresseur comme ça, ça se tente. Moi, je dirais, vous tirez. Hein. Oh, vous êtes fada, vous. Moi, je l'aurais pointé, là. Non, ça se tire, là. Attendez que je regarde. Je m'accroupis. Oula, ça craque de partout. Non, regardez, il est placé devant l'autre, là. Faut tirer, là. Mais non, monsieur ministre, il faut pointer, là. Faut tirer, parce que sinon... écoutez, trop tard, il est parti avec le sac à main de cette pauvre dame. C'est pas très pratique, finalement. On va essayer notre arme marseillaise que les boules de pétanque. Oula. J'ai une idée, c'est de commander des grenades fumigènes parfumées au pastis. Oula. Une autre arme marseillaise, donc. Eh bien, bon courage, monsieur le ministre, et à nous aussi, hein, par la même occasion. On va recevoir maintenant Benoît Hamon. C'est vous. Ah oui, Hamon. Super, je savais. Vous savez, c'est mon surnom, Benoît Hamon. Oui, comme j'ai toujours l'air surpris de ce qu'on m'annonce. Mais vous êtes sûr que je suis dans l'actu? J'ai fait un truc bien récemment. Vous avez critiqué le plan pauvreté d'Emmanuel Macron. Vous avez parlé d'un gouvernement pauvrophobe. Oui, alors ce gouvernement n'aime pas les pauvres. Alors que du temps du Parti Socialiste, nous aimions les pauvres. La preuve, il y en avait chaque année de plus en plus. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que le gouvernement n'aime pas les pauvres? Bien écoutez, j'ai un ami qui avait un bon poste dans un parti politique et parce qu'il a fait 6,35% en présidentiel, s'est retrouvé dans une forme de précarité. N'ayons pas peur des mots, à la rue. Obligé de dormir dans des cartons près de la gare du Nord. Mais c'est vous qui avez fait 6,35% à la présidentielle? Non. C'est un autre ami. Il est à la rue et ce gouvernement pauvrophobe ne fait rien pour lui. Alors que si mon revenu universel était passé, ben j'aurais eu de quoi m'acheter un sandwich ce matin. Monsieur Lagache, je peux vous emprunter, vous prendre votre sucre? Bien sûr, j'ai une banane si vous voulez, je peux vous passer la banane. Ça lui fera du bien. Merci. Allez, à bientôt et bon courage, monsieur Hamon. Jean-Michel Apathy nous a parlé ce matin de la montée de l'extrême droite en Suède. La Suède, oui, doit-on le répéter, et quel beau pays, le pays du groupe ABBA. Oui, oui. Et je dis sur votre antenne, ABBA les tatas, musique. Have a dancing queen, on te met dans une clinique, espèce de dancing queen. Oh là 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 là. C'est, chère Julie, que vous ressemblez à la blondasse du groupe ABBA. Ah bon, peut-être bien. Manquez plus que ça, mais peut-être, c'est peut-être pas faux, hein, je me souviens plus comment elle est, la pauvre femme. Vous êtes totalement déstabilisé, j'ai eu le clair. Un petit peu, oui. Allez-y, monsieur Le Pen. Cher Ali Agas. Ali Agas en deux mots. Rappelez-moi, monsieur Ali, c'est un peu vite. Est-ce que vous voulez, oui, je sens que vous voulez que je vous refasse un petit coup de Waterloo. En toute amitié, alors. En toute amitié. Non, franchement, on n'est pas au karaoké là. Jean-Marie Le Pen, oui, vous aviez une déclaration politique à faire, je crois. Bah, allez-y, maintenant que vous êtes là. Nos moutons, nos sangliers. Je voudrais féliciter Monsieur Macron. Une fois n'est pas de coutume pour sa politique de retenue à la source, à laquelle je suis fortement favorable. Ah, en matière d'impôts? Non, en matière d'immigration, n'est-ce pas? Je suis pour que tous les immigrés soient retenus à la source. Et puisque chez nous, en Suède, tout finit en chanson, je vais vous livrer mon nouveau tube. Give me Le Pen after midnight. Give me Le Pen after midnight.
Oui, oui, je sais, ça ne vaut pas. Waterloo. À bientôt, Jean-Marie Le Pen. On ne s'en lasse pas. Allez, pour terminer, on va recevoir le ministre de l'Économie et des Finances. Bonjour, Bruno Le Maire. Oui, bonjour. Alors, on parle. On parle de publier les écarts de salaire dans les entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Le Maire ? Madame Julie. Oui. Monsieur Aliaga. Reprenons un peu de hauteur et de sérieux. Sur les écarts de salaire, il n'y a pas de débat. Nous devons agir. C'est pourquoi j'ai demandé à Laurent Guimier, notre patron, bah oui, oui. Patron, de me fournir les fiches de paie du plus gros salaire d'Europe 1 et du plus bas. Oh là, pour pouvoir les comparer. Oh, vous n'allez pas recommencer avec ça. Écoutez, si, il n'y a pas de débat. Oui, bon, on a compris. Les Français doivent connaître les inégalités au sein d'une entreprise telle qu'Europe 1. Donc je le dis, oui. Car il faut de la transparence. Allez-y. Le plus bas salaire d'Europe 1 est donc M. David Abiker, à qui on donne chaque jour 10 euros pour qu'il aille acheter la presse et doit de surcroît rendre la monnaie. Quant au plus gros salaire, il s'agit, je le découvre à l'instant, vas-y. Oh la putain de tarasse. Mais vous gagnez vraiment ça, monsieur Aliaga ? J'aurais bien voulu. Tu m'étonnes qu'il se lève à 4h du matin. Mais moi, pour une somme pareille, je ne me couche même plus. Je travaille 24h sur 24. Vous travaillez 24h sur 24, c'est ça. Ah là là là, incorrigible, ah là là. Nicolas Cantelou, mais qu'est-ce que ça nous fait du bien. Et le texte, bravo aux auteurs, bravo. Hein, vraiment. C'est Philippe très réactif à l'actualité, comme toujours. Arnaud Lemanche et Laurent Vassilian.